Qu'est-ce que le bonheur, sinon voir la vérité du monde dans lequel nous vivons, nous y soumettre et vivre libre en harmonie avec elle? Toute vérité ne peut être que le fruit d'un objet, d'un sujet observé, d'un phénomène sans qu'on l'interprète. C'est ce que j'appelle avoir le regard neutre, ne pas juger, ne pas interpréter, ne pas comparer. Mais cela est-il possible quand on a reçu une éducation, un enseignement qui ont placé depuis des dizaines d'années ce qu'est censé être la vérité dans notre mémoire? Oui, c'est possible, si votre regard est neutre. Il faut au début une grande concentration, une attention soutenue d'instant en instant, sans se relâcher. Mais il faut de plus mourir à soi-même, c'est-à-dire mourir à son passé, à son éducation, à ce que l'on a cru être la vérité. Il faut redevenir un homme neuf, prêt à partir de rien et admettre qu'on ne sait rien. Ne sachant plus rien et ayant une détermination à observer dans la plus grande neutralité, alors la vérité peut se dévoiler. Aussitôt que vous vous contentez d'observer avec un regard neutre, sans analyser ou essayer de comprendre, vous voyez que rien n'a de réelle emprise sur vous. Aucun gouvernement, maître, aucune religion, institution, tradition, philosophie, idéologie ne peut exercer un contrôle sur vous sans votre consentement. Toute autorité exercée sur vous ne peut exister qu'avec votre accord. Tout pouvoir qui vous oblige de penser de telle ou telle façon n'existe que parce que vous lui avez accordé le droit de penser pour vous. Voir cela, c'est voir que la liberté est à portée de main, qu'elle est accessible. Tout pouvoir, toute autorité sur notre personne est imaginaire, illusoire. La première cause du malheur n'est pas la situation, mais les pensées qui concernent celle-ci. La situation est toujours neutre. La situation est toujours telle qu'elle est. Il y a la situation, il y a les pensées à son sujet. Tenez-vous-en aux faits, ayez un regard neutre sur le monde qui vous entoure. Soyez la conscience qui observe la situation.